le Moyen-Âge est complètement fêlé. Les peurs, les angoisses et les bouleversements se cristallisent dans un personnage, le fou. Les artistes sont hantés par l'imaginaire de la déraison et leurs images traduisent des visions hallucinées. Bruegel voit de la folie partout. Sur la façade de l'auberge du Croissant de Lune, un globe est bel et bien renversé, indiquant un monde sans dessus-dessous. Au-dessus, un homme a baissé son pantalon pour littéralement chier sur le monde. Le déféqueur porte un chapeau bariolé, une coiffe qui suggère la folie. À l'avant-droit de l'œuvre, un misérable doit ramper et se tordre pour se frayer un passage dans le monde. Tandis qu'à côté de lui, un nanti fait tourner le globe sur son pouce. Le monde s'offre différemment à ceux qui sont bien nés et qui possèdent des richesses.